tout le monde, c'est Ghost et Genesis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, comme promis, donc je me répète encore et toujours, vu comme c'est une semaine assez chargée en gameplay, comme je vous ai proposé une série de 5 gameplays, donc du pack Révolution de Black Ops 2 qui est sorti ce mois-ci, donc qui est sorti il y a deux mois sur Xbox, donc j'ai pu tester un peu avant. Donc, j'ai un peu mes impressions et les maps, je les connais un tout petit peu. Donc là, nous sommes sur une map qui s'appelle Mirage, qui est... je trouve qu'elle est bien. Déjà, pour les snipers, c'est le paradis, hein, franchement. Qu'on soit clair, pour moi, c'est le paradis, cette map. Donc toi, je t'ai eu, tout à l'heure, je te cherchais. Donc oui, c'est encore un live, hein, les 5 maps... Enfin, je dis les 5. Non, il y en a 4. Mais vu comme ça va être la dernière, le dernier gameplay du multi, je vais vous le dire, comme ça, c'est clair, comme ça, bah, ça montre que vous suivez mes vidéos de A, bah, vous savez. Comme quoi, la 5e vidéo, en fait, ça sera sur un live, donc en compagnie, donc soit je serai solo, ce qui ferait un tout petit peu quand même, ce qui m'embêterait un peu de faire un solo, donc un zombie bah, sur la map, cette fameuse map D-Rise, que beaucoup de monde attendent et voulaient voir ce qu'elle donnait. Donc je me suis dit, bah, je vais tenter de faire un gameplay dessus, parce que je vous tiens à vous le dire, clair net, je ne suis pas une personne qui joue énormément aux zombies. Je joue bah, juste pour m'amuser avec mes collègues, avec mes potes qui sont dans la team, ou avec mes copains, mes rêves qui jouent chez moi, t'en vas pas. Enfin, mais on va pas parler sur ma vie, hein, je pense que t'en fais un peu. Et deuxièmement, bah, parce qu'elle est dans le pack, donc t'as payé, donc autant jouer à toutes les maps, hein, comme dirait l'autre. Le temps, bah, enfin je veux dire l'argent, bah voilà. Hein. Donc je risque de faire un gameplay, toi je t'ai pas vu, je risque en fait de faire un gameplay solo. Ou alors, en compagnie de membres de la UPK. Alors je sais pas, donc la UPK French Team, je sais pas si les membres de ma team, certains ont Skype, j'aurais besoin de Skype, et aussi bah, qu'ils aient bah, aussi, bien évidemment, soyons logiques, le pack Révolution. Donc c'est pour ça que, bah comme ça, vous pourrez voir, et là je suis en train, ah, bon, bizarre que ça lag comme ça. Donc voilà pourquoi ce fameux 5 à la fin alors qu'il n'y a que 4 maps en multi. Donc pour revenir à cette map, donc c'est la map Mirage, donc elle est un peu typée Chine, je trouve ça marrant moi, je trouve ça bien d'ailleurs, c'est pas trop mal. Elle est typée bah, Chine un peu, donc déjà comme je vous l'ai dit, bah, les snipers vont se régaler, donc moi quand je joue au sniper sur cette map, bah, vous amusez un peu, parce qu'en domination, les drapeaux bah, sont bien positionnés pour les petits snipes qui campent. Il y en a pas, comme pas tous, hein, mais je veux dire, vous pouvez vous amuser quand même et faire pas mal de trucs. Donc là, comme vous pouvez me voir, je discute en même temps, mais j'enchaîne quand même pas trop mal l'équipe, donc je gère plutôt pas mal. Chose qui, bah, qui est pas trop mal en live, hein, surtout. Parce que les parties que j'ai fait en MME jusqu'à présent sur les nouvelles maps, bah en fait, c'était compliqué. J'avais du mal, parce que bah, les maps, je les ai pas non plus explorées à 100%. Même si je vous ai dit il y a pas longtemps que j'ai testé sur Xbox, quand j'ai testé, j'ai survolé la zone, hein, je me suis pas non plus mis à 100% dessus, hein, parce que de toute manière, il y a le temps, parce que si vous vous mettez en un jour dessus, allez regarder à 100%, je vois pas l'intérêt après d'y jouer dessus. Donc là où j'ai pu déverrouiller mon... je sais plus comment ça s'appelle. Oh, Campos. mon gardien, ouais c'est ça, mais bon en MMO sert strictement à rien, parce que bah il n'y a pas de drapeau, parce que là j'ai gardé ma série de victimes en fait de la domination. Donc moi je joue généralement avec ces séries, tu m'amuses pas trop à mettre des grosses séries parce que déjà dans ce catalogue c'est quand même relativement compliqué d'en avoir. Donc je me suis cantonné à rester avec mon petit gardien, mon petit foudrement basique, hein, de base, et bah un hélico je crois, le furtif. Donc voilà, donc la N94, je pouvais pas faire grand chose avec ça, même sans silencieux. Donc je vais pas trop parler bah, de cette arme parce que j'ai quand même pas mal parlé. Donc moi elle est ni trop cheatée ni pas assez. Mais bon, comme je vous ai dit aussi, cette arme je l'ai connue sur 360 et elle tuait vraiment pas. Quand j'ai tué vraiment papa, elle était vraiment compliquée, puis il fallait mettre beaucoup de balles. Donc là ils ont un peu amélioré il me semble, on va voir ce que je peux faire sur ça et sur... sur Xbox, franchement, ils ont amélioré. Donc, la communauté en a fait pas très chose bien d'ailleurs. Bon, mais bon, ils vont pas mettre une arme cheatée exprès pour les personnes qui ont acheté le pack Révolution. Donc, je trouve ça bien qu'ils ne l'ont pas mis à la limite de devenir une SMMC. Mais bon, je trouve ça. Je la trouve bien cette arme.
Et par contre, il me semble pas qu'elle est dans le zombie. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Parce que oui, j'ai quand même, j'ai un peu fait la map de zombie quand même. Parce que si je voulais faire un gameplay, je voulais préparer, surtout en solo, dans cette map, dans cette map d'E-Rise. En solo, je peux vous garantir, en fait, c'est dur de rester vivant. Je crois que j'ai fait 3, 4, 5 tentatives et je suis mort, allez, soyons généreux, à la 13e manche. Surtout qu'ils ont rajouté quelques nouveautés pour tout ce qui est les mobs. Je suis tombé, comme une merde. D'ailleurs, je récupère un petit. Ah non, je suis mort. Ils ont mis des nouveautés, donc déjà bah, pour les atouts et pour les monstres qui arrivent en vague à la manche 10 ou 11, je sais plus. Donc par défaut sur les maps, c'est des chiens normalement. Et là, ils ont mis autre chose. Donc ça va en satisfaire plus d'un, ceux qui ont joué au premier du nom de Black Ops 1 Zombie. Je vous en dis pas plus, vous verrez plus tard dans la semaine qu'est-ce que je voulais dire. Donc voilà, donc la vidéo se termine en plus sur mon. Comment dire? Elle finit sur mon kill cam. Donc je vous avoue, j'ai failli me rater. Mais bon, j'ai réussi mon kill. Surtout que je m'attendais pas à le voir. Donc voilà, donc c'est la fin de ce gameplay et des 4 vidéos du Map Révolution. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.